Salut à tous, c'est Papkick et Malena Gaming. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter en exclusivité juste après les dons. Malheureusement, la dernière voiture qui va être sortir, la Kuruzen, en fait, ça se situe sur Legendary Motorsport. Malheureusement, il faut aller passer par le Social Club. Donc nous, on l'a su après les dons et moi, j'ai pu en profiter. Franchement, il y en a quoi? Il y en a peut-être 1000 en France. Donc là, j'ai récupéré la seule qu'il y a. Et genre j'en profite pour vous la présenter. Par contre, je pense qu'on peut pas la glitcher, mais bon, elle coûte quand même 1 900 000. Faut juste passer par le Social Club, voilà. Donc moi je vous la présente telle que moi je l'ai faite. Par contre, je la trouve hyper sportive. Elle ressemble beaucoup à la Kuruma, je pense c'est pour ça le nom Kuruzen. Et franchement, je la kiffe devant, elle fait Zen Tourneau en fait. Franchement, c'est une bonne voiture. Le bruit est excellent. Donc voilà, en fait c'était peut-être pour la Saint-Valentin, par contre je sais pas si c'est un tirage au sort, moi j'ai reçu un mail et voilà j'ai reçu ça. Maintenant je vais vous montrer le bruit. Par contre franchement c'est une tuerie. Faut être honnête, c'est une tuerie. Ah ouais. Donc voilà, en fait elle fait le devant d'une Kuruma, c'est clair et net. Mais je la kiffe, c'est une voiture blindée les gars. Maintenant je vais vous montrer le bruit. Voilà. Donc en fait les gars, ne le prenez pas mal, mais bon en fait voilà, c'était une astuce de Fabkick. En fait vous prenez une Kuruma, vous, vous mettez en mode passif avec votre ami, vous l'emboîtez dans une Zen Tourneau et ça vous donnera une Kuruzen. Donc en fait on voulait vous présenter une petite astuce sur GTA 5 Online pour commencer le dimanche matin. Et surtout les gars, m'en veuillez pas, hein, c'était une petite blague pour mes abonnés. Allez, sur ce les gars, je vous souhaite un très très bon dimanche et amusez-vous bien les gars. Bye bye, à plus!